La Corse, c'est une montagne dans la mer, déjà. Les sommets montent à 2007. Nous n'avons pas de glacier, mais en hiver, il peut y avoir des températures très froides, jusqu'à moins 20 sur les sommets. Les Corses, ils ont quand même un peu peur de leur montagne en hiver. Dans les villages, ils disent toujours la neige qu'elle reste en haut, mais qu'elle ne descende pas là. Je suis un petit peu marginal. Le fait d'aimer cette montagne, cette Corse en hiver, je suis une personne qui est un petit peu un berlu, quelqu'un qui recherche un petit peu la difficulté. En tout cas, je suis un incompris. La montagne Corse, je crois que si on la connaît beaucoup l'été, elle mérite qu'on la connaisse l'hiver à travers ses paysages fantastiques. Par endroits, jusqu'à 40 cm de neige. Il neigeait encore abondamment ce matin. 14 000 foyers sont privés d'électricité en Corse et la circulation est très difficile. À Corté, par exemple, ne correspondant pas. Tous les deux ans, il est capable de neiger 2-3 fois. Non, mais c'est quelque chose qu'on connaît. Chasse-neige, ils ont du mal à ouvrir toutes les routes. Ils ont du mal à dégager tous les petits villages. C'est pas équipé pour la neige. Là où j'ai mes cochons, je préfère s'il n'y a pas de neige. Mais bon, s'il y a de la neige, et on fait avec. C'est une fierté d'élever des cochons, c'est une fierté de pouvoir vivre chez moi, de ce qui me plaît. C'est une grande fierté. Le plus dur, c'est l'hiver, du mois de novembre à fin février. C'est pas facile, il faut que ça plaise. C'est un métier, c'est une passion. Hein. Si ça vous plaît pas, vous pouvez pas le faire. Les cochons, je les reconnais tous. Je les vois tous les jours, donc je sais s'il me manque des cochons, je le reconnais. Hein. Le secret de ces cochons, c'est d'abord la nourriture, ce qu'on leur donne à manger. Après, c'est des cochons avant d'être charcutés qui sont en liberté, donc ils sont finis aux châtaignes, glands. C'est des cochons qui sont tués entre 14 et 20 mois. Il faut leur laisser le temps que la viande soit prête à charcuter. Hein. C'est des cochons corses de race Noustral, qui a été la race qui a été reconnue il y a 3-4 ans. C'est des cochons qui sont adaptés à l'élevage en montagne, qui sont adaptés au libre parcours. C'est des cochons qu'on a toujours eu chez nous. Et moi, je ne me voyais pas élever d'autres cochons. Je me considère comme montagnard parce que je vis dans un village à 400 mètres. Mais mon père est originaire d'un autre village qui est à 900 mètres d'altitude. Donc c'est un village que je monte tous les deux jours. Je vis ici, là-haut, j'ai mes ports en montagne là-haut, donc je me considère attaché à la montagne, je me considère montagnard aussi. Hein. Ça t'arrive d'aller au bord de la mer quand même? Rarement. La mer, c'est pas ton élément? Non, non. La mer, ça m'attire pas trop. Et pourtant, on est en Corse. On est en Corse, mais bon, chacun son truc. Je préfère l'hiver et l'été. L'hiver, on est chez nous. L'été, il y a trop de monde. L'hiver, on est entre nous. Pas entre Corses, malheureusement. Mais on préfère être entre nous. Oh, punaise, on caille, hein.
quand je charcute l'hiver, il fait froid, et dans le froid, dans l'humidité, la neige. Et ça c'est le plus dur. Hein. Après, le reste de l'année, le levage, tout ça, c'est dur aussi, mais c'est pas pareil. On gagne notre vie en 4 mois. C'est le travail de toute l'année, mais sur l'élevage. Mais notre vie, on la gagne du mois de novembre au mois de février. Dans l'année, c'est court, mais c'est toutes les semaines et c'est assez dense. Hein. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aidé mes parents et ça fait 3 ans que c'est moi qui ai repris l'exploitation. Je ne me voyais pas faire autre chose. Hein. Je ne me voyais pas faire de la charcuterie avec des porcs importés. Ma vision de la charcuterie, c'est pas ça. Un peuple qui perd ses traditions, il a perdu son âme, il n'y a plus rien. Hein. Ce que je fais, c'est un engagement politique. Hein, mais bon, on est sur un élevage de porc de chez nous, on défend nos racines, on défend nos cochons, on défend notre façon de charcuter. C'est pour nous un mode d'expression politique aussi. C'est un acte de résistance. J'arrive, je suis là. Allez, 2 minutes, je suis là. Allez, à dessus. Mon métier, c'est d'être marchand ambulant, de vendre dans les villages, de faire un genre de porte-à-porte. Je sillonne les villages, c'est la pointe du Cap Corse, le haut de la Corse. Mais ça fait 21 ans, je n'ai jamais manqué. Voilà, par tous les temps. Si j'ai trouvé de la neige, j'ai mis les chaînes, j'ai trouvé mauvais temps, je suis arrivé. Même un petit peu tard ou même un petit peu fatigué. Je suis toujours présent. On va goûter, allez, donne-moi ça. Allez. Allez, bonjour. Oh là là, et aujourd'hui il fait moins froid qu'hier, hein. Je préfère l'hiver. L'hiver, c'est beaucoup plus tranquille, malgré qu'on soit dans le froid. L'été, c'est plus vendre pour faire du chiffre, pour essayer d'avoir un petit peu plus, mettre un peu plus d'économie pour l'hiver. Quand il est plus long l'hiver que l'été, parce qu'en bonne saison, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 mois. Hein. On ne peut pas dire qu'on vit de ce travail, parce que je ne travaille que 2 jours et demi par semaine. Si j'aurais que ma femme et moi, ça serait juste. On vivrait normal. En ayant mes 2 derniers enfants à charge, c'est un petit peu plus dur. Bon, mais je m'en plains pas. Je vous présente mes condoléances, vu que vous êtes là. Oui. C'est pas la période. Oui. Malheureusement. Moi, si j'ai pas Franco, eh bien, je vous dis franchement, je vends ma maison et je me casse, je m'en vais sur le continent. Parce que tant que mon mari il conduit, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il ne peut plus conduire, vous imaginez si on n'a pas Franco, parce qu'on peut lui demander le pain, on peut lui demander n'importe quoi, il est là pour nous rendre service. Oh, purée. Je sais pas, ah, peut-être que tu l'auras en bas. Hein. Il y a la chose à bris. Voilà. Les gens, ils attendent que j'arrive. Hein. À part faire cette sortie, je pense que la dame n'a pas dû sortir. Je pense que dans la journée, elle ne sortira pas. À part venir me voir pour acheter les légumes. Hein. Que ce soit aujourd'hui, peut-être demain, elle ne sortira pas. Hein. Mais aujourd'hui, elle sait que je suis là et je pense qu'elle fera tout pour ne pas partir. Même si elle a des rendez-vous, elle prend la peine.
Ah, elle prend la peine de déporter les rendez-vous de façon pour être présente au moment où je sois là. On vous appelle? Oui. Eh ouais, peut-être un client, j'ai un petit peu de retard. Il y a des fortes chances, ouais. Oui. Oui, je viens. Non, il n'y a pas de neige là-haut. Oui, les mandarines avec le pépin, ouais, ça va. Ou je m'arrête à la maison, là, chez toi. Ça devient l'amitié parce qu'en 20 ans, je veux dire, ils ont toujours été là, je veux dire. Même parfois, ça m'est arrivé qu'on m'ait remplacé, ma femme m'ait remplacé, ben non. Mes clients, ils veulent que ce soit moi, par tous les temps. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué, un petit peu enrhumé. Eh bien, ça fait rien. Ils préfèrent que ce soit moi. Bonjour, monsieur le marchand. Oui, bien, à la longue, ça devient un ami. Je ne suis pas ton ami. Je veux dire, non, mais pas un ami, collègue. Je ne suis pas ton ami, je choisis mes amis. Il rend beaucoup de services, voilà. Donc, à partir de là, on en arrive à avoir besoin de lui, malheureusement. Quoi. Il y a des fois, même, bon... Je suis obligé de faire avec, en plus. Bon, alors, tu me fais perdre le fil. Qu'est-ce que tu m'as mis? Les œufs? Ouais. Vas-y, ouvre le sac. Yeah. Pose. Mettez-vous. L'hiver, on est tranquille. Il n'y a pas de tourisme pour trop de touristes. Par contre, lui, son porte-monnaie, c'est pas le même. Il vaut mieux l'été pour lui. Mais nous, l'hiver, bon, ben, on est bien. Moi, j'aime ça. Hein. Ça ne nous empêche pas d'aller à la mer. Ça ne nous empêche pas d'avoir des activités. Voilà. Il y a les mots fléchés, hein, au cas où. Hein. Moi, je sais ce que le client consomme. Alors, en principe, quand je propose un fruit, le client le prend toujours parce que je sais qu'il est habitué, parce que lui, ça lui arrive de l'oublier de prendre ce fruit. C'est pour ça que je le répète. Mais je ne sais pas comment expliquer autrement. T'as l'air touché quand tu parles de... Hein. Eh oui, parce que... C'est émotionnel, hein. Bon, c'est bon, on arrête tout. Tu veux donner un canisté? Vous êtes combien à habiter ici en permanence l'hiver? Eh bien, écoutez, on est 6 ans. 6? 6. Alors, on n'est pas nombreux, c'est ça que... Autrement. J'ai 88 ans. Ça fait combien d'années que vous êtes à la retraite? 46 ans. 46 ans? À 42 ans, je n'ai plus ma retraite. Ah bon? Ah ouais. De la marine? Oui. Mais t'as pas dû beaucoup travailler, va? Ben. Et toi? Ma seule peur, c'est que mes clients, ils ont toujours été fidèles et toujours présents. Et que ça m'embêterait de les laisser pour dire, voilà, j'ai gagné assez d'argent, je me retire. Mon seul souci, il est là, parce que le jour d'aujourd'hui, pour trouver quelqu'un de ponctuel et de sérieux, à part que j'ai un de mes fils qui a tendance à vouloir faire la reprise le jour que je me retire, mais j'ai peur que d'ici là, il y a certains villages, ils auront les portes fermées. Ça va derrière? Regardez les arbres là. Ils sont givrés. Pas un pet de vent. Puis la neige est vraiment poudreuse, froide. Là, il y a facilement 60 cm de poudreuse. Alors, c'est pas des sapins, c'est des pins laricots. L'aricio, plante endémique à la Corse, qui commence à pousser à partir de 800 mètres.
J'ai eu une vocation, j'ai eu une envie, après avoir lu un livre d'Haute Montagne, Premier de Cordée de Frison Roche. J'ai été fasciné par ce guide qui était écrit dans ce livre. Et dans mon imagination, dans mes rêves, je me suis dit qu'un jour je serais guide d'Haute Montagne aussi. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles, je suis un autodidacte. Le premier guide de montagne a été moi-même dans les années 80. Pourquoi il n'y en a pas eu avant? Parce que nos parents ne nous ont jamais dit que la montagne se fréquentait, était comme hiver, elle pouvait s'affronter, elle pouvait être rentable au niveau touristique et au niveau gagner sa vie. Lorsque j'ai dit à mes parents « je vais faire guide », on ne savait pas ce que c'était le mot « guide ». Bon, il y a le guide touristique, il y a le guide de gastronomie, il y a le guide tout court, mais le guide haute montagne. Et lorsque j'ai dit ça à la Corse entière, on me prenait pour un fou, pour un malade ou pour un inconscient. Lorsque j'ai dit ça à ma mère que je partais à Chamonix, me dire pourquoi tu n'es pas bien ici, tu as le soleil, tu as la mer, tu as les jolies filles, voilà. Et moi je partais pour Chamonix, je partais décrocher un diplôme et à la recherche de la glace, à la recherche des sommets, de l'altitude, du Mont Blanc, ainsi de suite. Pour moi, ça a été un chemin de croix quand même. Hein. Lorsque je suis arrivé à Chamonix, je ne connaissais pas la glace, sauf dans le pastis. Hein. Alors, ça a été, je dis toujours vulgairement, je me suis presque prostitué pour vraiment avoir ce diplôme. Regardez, ça se dégage. Regardez, le village de l'Alta Rocca, Quenza, Lévis. D'abord, puis au fond, vous avez le golfe du Valinco Propriano. Bon, on ne le voit pas, mais c'est dans cette direction-là. Nous sommes ici, en vol d'oiseau, à 12 km de la mer. C'est surtout ça qui m'a toujours passionné, de monter sur un sommet et de voir la mer de chaque côté. De me sentir à la fois libre, mais pouvoir presque voler et aller vers cette étendue qu'est l'eau, la mer. Moi, j'adore l'hiver. L'hiver, c'est tout. C'est la liberté, c'est l'air pur, l'amitié, le truc. Parce que l'été, tellement qu'il y a le monde, il y a un contexte qui se passe qui est assez marrant. Tu as les gens qui viennent en été. Ils arrivent, bon, je vois chez moi, ils rentrent. Ils rentrent chez toi. Alors, il y en a qui rentrent voir comment tu vis. Tu as des gens qui démontent des pierres pour pouvoir des murs, pour pouvoir s'asseoir dessus, pour pique-niquer. C'est un peu n'importe quoi. Quand tu as 2000 et quelques personnes tous les jours qui débarquent, eh ben ce n'est plus un ou deux que tu en as dans la journée. Et c'est les mois les plus durs, c'est juillet, août. On n'est plus chez nous. Si tu as vu un peu jour là, si tu t'es baladé, c'est pas conçu pour recevoir autant de monde pratiquement en même temps. Vivre ici à l'année, je ne pense pas que tout le monde pourrait le faire. On est 7, 8 en hiver. Je crois que le plus, ça doit être une quinzaine de jours que je suis resté tout seul. Et je ne me suis jamais senti seul. Par contre, la seule fois où je me suis senti seul,
C'est, j'habitais pendant un peu plus d'un an à Paris, parce que je voulais connaître comment c'était Paris. Et je ne me suis jamais senti aussi seul qu'à Paris, parmi des milliers de gens qui étaient aussi seuls et aussi paumés que moi. Hein. Mais ici, je ne me suis jamais senti seul. Je ne pourrais pas quitter la Corse. J'y suis née. Il faudrait vraiment que ma vie change tout autour hein, pour habiter sur le continent. Hein. Les Calanques, pour moi, ça représente la beauté de Piana. Hein. Disons que quand je me lève le matin, je vois toujours le même paysage. Et je me dis que j'ai de la chance. Il faut être habitué pour rester dans les villages comme ça l'hiver parce que c'est dur, c'est très dur. On est très peu d'habitants l'hiver. Si vous avez une activité, ne vous ennuyez pas. Le feu il joue un rôle très important dans la cuisson du brouch. C'est le bois. Ouais. Qui donne le goût. Le brouch, c'est un fromage à pâte molle. Il peut se conserver 2 ou 3 jours par rapport à sa texture. C'est un produit typique d'hiver. Pur lait de chèvre. Vous voyez sa texture? C'est un peu comme de la crème, hein. Je veux dire, on ne peut pas prendre et poser comme le fromage. Hein. C'est tout un tour de main hein, quand on fait le brooch. Exactement, exactement, un secret, je ne peux pas vous l'expliquer. Hein. C'est l'endroit aussi qui s'y prête pour que le brooch soit bon à Piana. Hein. Parce que bon, il y en a d'autres qui font le brooch, mais c'est... On est près de la mer. C'est le sel de la mer qui remonte. L'endroit s'y prête. Moi, je suis contente que mon brooch soit connu parce que, au fur et à mesure des années, j'y ai pris goût. Et tous les jours, même s'il est bon, j'y mets un peu plus d'amour pour le faire. Et quand je le mange chez moi, je me dis que j'ai de la chance de réussir un produit exceptionnel. Hein. Mes parents étaient bergers, leurs parents étaient bergers, ma belle-mère et mon beau-père étaient bergers, et leurs parents étaient bergers. Et Xavier, jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, il ne s'était pas intéressé à ce métier-là. Et puis, un matin, il m'a dit « Maman, tu sais, j'aimerais bien essayer les chèvres. Oui. » Donc, il a commencé à descendre en bas. Et au bout d'une semaine, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il m'a dit « Écoute, le fait d'avoir le contact avec les bêtes, ça me plaît. » Donc moi, sincèrement, j'espère que mon fils reprendra le flambeau. En ce moment, ces métiers, les jeunes, ils veulent plus reprendre. Ils trouvent ça trop difficile, qu'il faut se lever tôt le matin. Et puis, ça se perd. Pour moi, c'est un métier et je me suis attaché. Je peux pas dire que j'étais passionné quand j'étais jeune. Ça m'attirait pas. C'était trop dur. Il fallait avoir la motivation du matin et petit à petit, je me suis attaché et j'ai commencé.
ces chèvres-là, on peut dire qu'il leur manque plus que la parole. Quand on les appelle, elles viennent et puis on dirait qu'elles comprennent tout ce qu'on dit, qu'elles parlent notre langage.